Et donc, re les amis, alors je sais pas si ça va y être, mais j'ai vu en regardant le preview de la vidéo qu'il y avait quelques bugs dans l'enregistrement que je n'ai pas ressenti. Après voilà, sur du Zelda The Minish Cap, ça tournait pas mal, mais sur un jeu comme celui-ci qui est vraiment HD, c'est un peu plus compliqué. Ok, donc les scarabées sont là-bas, ici. Alors si je me souviens bien, on a un truc à récupérer ici. Alors là, c'est ça. Hop. Aïe. Faire très attention. On n'a pas beaucoup de trucs de santé hein, dans ce mode. Voilà, GG. Donc ce truc là-bas, pour le récupérer, il va me falloir un autre objet. Je ne me rappelle plus ce qu'il faut pour les choper ces trucs. Mais bon, c'est pas très grave. Alors. Bon travail, garçon. Ces scarabées peuvent être une vraie plaie. Voilà, vous avez bien mérité un peu d'argent de poche en récompense. Si vous voulez plus d'argent, les serviteurs ont sûrement besoin d'aide. Vous pouvez entrer en début de soirée. Adressez-vous à moi quand vous serez prêt à dormir. Vous laissez votre enfance derrière vous et devenir un apprenti. Non. Revenez me voir quand vous... Cette chasse aux scarabées vous a fatigué. On va aller voir les points verts pour faire les missions, pour gagner de l'argent. L'argent, c'est très important, comme en vrai. Hein. Écoutez, je dois faire une tarte aux pommes pour le maître de la. Mais je n'arrive plus à trouver de pommes rouges. Si vous en trouvez, rapportez. Je les ai déjà. Merci, merci beaucoup. Prenez ceci. Tartomichi qui permet de régénérer de la vie. Trouvez rien d'intéressant. Trouvez rien d'intéressant. Trouvez rien d'intéressant. Là-bas, il y a des points verts. Ah là-bas. On discute pour savoir si je suis l'apprenti le plus rapide. J'ai mis 50 secondes aller-retour. Bon. Allez jusqu'à la porte démoniaque et revenez en... Je l'ai fait en 50 secondes et personne n'a fait mieux. Waouh, waouh, waouh. Ça va être très difficile, difficile. C'est simple, il faut qu'en 25 secondes je sois là-bas maximum. Ça va être tendu.
Allez, allez. Il n'avait pas cette blessure à la jambe. Aucune chance, je suis l'apprenti le plus rapide de la guilde. Vous êtes le plus arrogant, c'est sûr. Encore vous? Allez jusqu'à la... Je suis le plus rapide. Allez, allez. Tac. Ah, ça va être chaud. Non, pas du tout. Ouah, une seconde près. Je croyais que c'est fait exprès. À mon avis, il y a moyen de gagner genre à 2 secondes près, un truc comme ça, mais une seconde, c'est chaud. Alors, il faut parler à quelqu'un, il me semble qu'il est en haut. Peu importe. Oh, la voix qu'il a. Il faut protéger l'oracle à tout prix. Quand d'accord. Vous serez peut-être plus utile ici. Qui sait quel combat nous attend? Les signes sont manifestes, et les terres désolées sont restées trop longtemps isolées de la guilde. Je pourrais en apprendre beaucoup là-bas. Eh bien, j'espère au moins que personne ne pensera que vous fuyez le combat. La rumeur va bon train, vous savez. Cela ne m'importe guère. Que la mort vous épargne, Maz. Qu'est-ce que vous attendez? Entrez. Faux. C'était un grand héros jadis quand il avait de la chair sur les os et du sang dans les veines. Ce n'est plus qu'une enveloppe vide. Que sait-il des choix que nous devons faire et des sacrifices à réaliser? Et faire et tirer un trait sur notre enfance pour devenir un ado. Cette chasse Oscar, votre entraînement va bientôt commencer. De longues années de forme. Voir devenir alors, adulte. Le petit garçon vécut pour la guilde. Le souvenir des flammes d'Oakval le taraudait, mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement. Il devint plus fort et plus agile au fil des ans. Ses journées étaient consacrées à l'exercice. Ses nuits aux études dans la bibliothèque. C'est bien, gamin. Enfin, il devint apprenti de la guilde, ainsi que par la deuxième. Son véritable entraînement allait pouvoir commencer. Donc tout le monde, c'est comme ça que vous devez travailler à l'école. Nous avons traversé la rivière pour rencontrer le maître de la guilde. Mais c'était il y a une heure. On ferait bien d'y aller, en vitesse. Voilà quoi on ressemble maintenant. Ah yes, un tatouage. Plus tard vous comprendrez l'utilité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres bouquins? Là.
Vous inquiétez pas, je ne vais pas les lire ces bouquins. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose à apprendre dedans. Encore en retard. Voilà. Laissez votre bâton de côté. Nous commençons l'entraînement à armes réelles. Wow. Habituez-vous au poids de cette épée et essayez de toucher Whisper avec. T'inquiète, je vais la défoncer. Allez, voyons de quoi tu es capable, fermier. Soyez attentif, ce que je vais vous apprendre pourrait vous défoncer la vie un jour. La vie d'un héros est dangereuse. Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps. Ok. Whisper va vous attaquer, mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme. Tous les coups ne sont pas parables, mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques de Whisper. Pourquoi ? Parce qu'elle est nulle. RB. Donc c'est celui-là. Ok. Esquive. Comment as-tu paré ça ? Bien. Voyons si vous pouvez. Je l'ai tapé. Attaque et défense. Ah. Bonjour, Tonnerre. Vous êtes venu voir les progrès de votre sœur ? On peut dire ça. Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier. Maz pense qu'il possède un grand potentiel. De taille à faire face à ma petite sœur. Moi, je la défonce, ta sœur. Nous allons voir. Whisper et le garçon s'entraînent à la mêlée en ce moment. Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement. Tous les coups sont permis, comme pour l'examen final de mêlée. Préparez-vous. Tiens, je te défonce. Pas du tout, Whisper. Tu dois travailler plus. Eh ouais. Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène. Dommage, vous auriez appris un truc ou deux. Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Nous manquons déjà cruellement de héros. Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement. Je serai sur le champ de tir. Ok. Et au sujet de votre performance. Excellent. Combattez comme ça à l'examen et vous serez parfait. Merci. Merci, merci. 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 Dans ce cas, réessayons. Merde, je voulais pas faire ça. Laissez votre bâton de côté. Soyez attentif. Allez, on va vite passer, vite passer. Voilà. Ça ne marche pas à chaque fois. Et tu es censé pas. Moi, je m'en fous, je pars rien, je te défonce. Je te défonce, c'est tout. Allez, attends. Continuer. Suite au chantier pour poursuivre votre entraînement. Ok. Tu ferais mieux de t'entraîner. T'inquiète. Ah, il y a une mission apparemment là-bas. Je,
pourrai noter votre aptitude en mêlée une fois que je serai... Ah, ok. Y a-t-il des apprentis ? C'est le dernier jour. Ce combat en mêlée contre Whis... Ah ouais, non. D'abord, je vais m'entraîner. Oh, t'es ouf, toi. Vous prêt ? Continuons l'entraînement avec l'arc. Commençons par voir si vous pouvez toucher les trois cibles immobiles. Et mettez-y de la force. Plus vous tendez la corde de l'arc, plus vous infligez de dégâts. Attention à bien rester dans le cercle. Ok, pour équiper de l'arc, comment mêler LT pour verrouiller la cible. Oh, pardon. Voilà. Bravo ! Vous avez touché toutes les cibles. Mais les ennemis ne restent pas immobiles. Passons maintenant à des cibles mouvantes. Vous avez une minute pour faire le maximum de points. La okay. cible de devant vaut 1 point. Celle du milieu en vaut 3. Et la cible de derrière rapporte 9 points. Souvenez-vous, plus vous tendez la corde de l'arc, plus votre tir inflige de dégâts. Plus de dégâts égale plus de points. Mais il faut doser puissance, précision et cadence de tir. Voyons ce que vous valez. Appuyez sur gauche. Foncez. Ok. Allez, les gars, sortez votre arc. C'est dur. Ah, je sais plus combien de points il fallait que je fasse. Faites ça à l'examen et je serai impressionné. Je crois qu'il y a un truc pour gagner quelque chose. Nous verrons ensuite la voie de la volonté. Ah, la magie. Moi, quand vous serez prêt à continuer l'entraînement, je serai sur l'île près des cascades. Ok. Je suis l'évaluateur. Ok. Et toi ? Il me faut quelqu'un pour tuer les moineaux qui nichent dans... Ces ah, allez. Ces moineaux sèment la pagaille dans la guilde. Regardez-les. Je vous paierai 5 pièces d'or par mouette tuée. Venez me voir à chaque fois que vous tuerez une maudite mouette. Ouais. Ouais. Vous en avez tué d'autres ou pas ? Ça va, tais-toi. Je sais pas ce qu'il tire comme flèche, mais elle envoie.
Voilà. Oh. Je veux mon point d'XP. Il a disparu. Hop. Vous en avez tué d'autres ou pas? Bien. Il y en a encore d'autres. On va éviter de tirer sur nos amis. Là-bas, j'en ai vu une. Allez, donne-moi mon point d'XP. Oh, il est coincé. Oh. On peut le récupérer comme ça. Y a-t-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc? Non. Ah. Quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? Vous en avez tué d'autres ou pas? Bien. Je crois que c'est la dernière. Ah. Voici un petit bonus. Yes. Allez, on va faire la magico. Y a-t-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc? Y a-t-il des apprentis pour un entraînement de mêlée? C'est toi l'apprenti. Il nous reste la volonté. La volonté. Vous allez apprendre les pouvoirs de volonté. Frappez ces mannequins avec la foudre. Voyons ce que vous savez faire. Ok. Donc. Bien. C'est ça. Voyons combien vous en touchez en 30 secondes. N'attaquez que les mannequins qui sont tournés vers le centre de l'île. Vous ne marquerez pas de points en les touchant derrière. Vous perdrez seulement du mana. Les pouvoirs de volonté consomment du mana, qui se régénère progressivement. Ok. Excellent usage de la magie. Merci. Très bien. Vous avez appris les trois disciplines de héros. Nous pouvons maintenant passer au test final si vous êtes prêts. Vous pouvez aussi explorer davantage la guilde. Je crois que Whisper compte aller dans les bois de la guilde si vous souhaitez la rejoindre. D'accord. Voulez-vous passer à la prochaine étape de votre entraînement à l'âge adulte? Souhaitez-vous d'abord jouer avec Whisper? Ok, donc on va commencer par jouer. Y a-t-il des apprentis pour un entre? C'est le dernier. Allez, j'ai un prix spécial pour vous. J'ai obtenu un A+. D'accord. C'est bon, vous pouvez arrêter. C'était très impressionnant. Whisper sera vexé. A+. À ce niveau, je peux vous offrir une nouvelle arme. Yes. Yes, c'est dessiné. Des apprentis pour une le maître de la... Si vous obtenez A+, vous avez une minute. Allez,
Ouais, bien joué. Eh ben. Je sais plus combien de points il faut faire. 201. Mince. Mince. Ah. Allez. Ah, yes. J'ai les 200 points là. Yes. 9 points à la fin. Nouveau record atteint. A plus. Je n'ai jamais rien vu de mieux. Je vous mets un A plus. A plus dans le bus. La guilde a dit que je pouvais remettre ceci au plus brillant. Une arbalète. Ouais. Mais moi j'aime pas. Quelle belle démonstration. Allez, on va faire la magie. Quelqu'un pour un entraînement de volonté. Eh, quelqu'un pour un entraînement de volonté là. Vous avez 30 secondes, vous savez qu'à... Mince. J'attaque l'autre là-bas, tu sais. Ah. Mais dégage. Ah yes. Je comprends pas pourquoi il a attaqué l'autre là-bas. Hein. Complètement débile. Je n'ai toujours pas vu de meilleur concurrent que vous. Bon, on va aller voir Whisper et on va. On va s'arrêter là. Ça va faire 25 minutes. 25-30 minutes là. Alors au maximum, on va faire 30 minutes. Le nid de Scarabée est au sommet de... Attends. Tu as entendu? Ça vient de par là. Et on les voit. Les bandits. Si seulement on pouvait passer cette rivière. Je sais. Si tu utilisais ton arc, ou la foudre que le maître de la guilde t'a enseigné, je te soignerais si tu es blessé. Tiens. Tiens. Voilà. Bien joué, on a réussi. Tu as vu leur tête. Attends un peu que le maître de la guilde apprenne ça. Attends un peu que le maître de la guilde apprenne ça. Tiens. Par contre, je veux bien, s'il vous plaît, récupérer. Voilà. Ouais, c'est important les points d'XP. Oh. Comment je vais grossir? Comment je vais être énorme et sec? Si je ne prends pas mes points d'XP. Lockwood Point. Quelle leçon pour Whisper? Moi, si j'étais toi, j'en... Ah non, ça pue la merde, la volonté. J'ai jamais été magicien sur ce genre de jeu. Bon, nous allons sauvegarder.
Et il est temps de nous dire à la prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça n'a pas bugué. Et que du coup je vais pouvoir continuer à faire des vidéos à 60 FPS. Sur un jeu comme ça, ça peut être pas mal. Bon après sur du LOL, des jeux comme Zelda, The Minish Cap, c'est pas très important. Donc voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao !